mercredi 22 octobre. L'ambiance est calme. Vous entendez des bruits de pas. Un papier glissé sous votre porte. Ouvrir la porte. Il n'y a personne. Dommage. Prendre le papier. Terroriste. Allez voir Céline. Sa porte est formée. Vous entendez quai à l'intérieur. Frappez. Vous entendez la voix de Céline à travers la porte. Je suis occupé, revenez plus tard. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller voir Franck, mais bon. Lui montrer le papier. Est-ce que ça t'amuse? Ce n'est pas moi. Tout ça a suffisamment duré. Je t'ai dit que je n'ai rien à voir, que ça n'a rien à voir avec moi. J'ai du travail, ça ne te dérange pas. Qui a fait ça? Vos collègues lèvent la tête. Tu passes pour une folle, calme-toi. C'est moi la folle? C'est la meilleure. J'essaie juste de faire mon travail. J'en ai marre de cette ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Un pétage de pont en règle. Sortons prendre l'air, Paula. Je me sens harcelé. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est une somme de choses. Qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais qu'une enquête en interne soit faite à ce sujet. Tu es sûr que c'est bien nécessaire? Cela risque de tendre encore plus les choses. Tu ne comprends pas. Ne le prends pas comme ça. Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer les choses. Ce sont des paroles en l'air. Elle soupire. On a tous des problèmes. Essaie de rester professionnel. En repassant dans l'open space, vous apercevez Kay qui sort du bureau de Céline. Elle est en larmes. Kay, ça va? Elle vous repousse. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas renouvelé, c'est dégueulasse. Laisse-moi parler avec Céline. J'ai besoin d'être seul. Elle prend son manteau et part. Allez voir Céline. Si on peut lui parler des deux sujets, ce serait bien. Je suis occupé. Vous me devez des explications. Nous avons pris en compte vos remarques. C'est une décision complexe. C'est une façon de me punir. Tout ne tourne pas autour de vous. Maintenant, j'ai du travail. Vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement. Bonne soirée, Paula. Elle referme la porte. Mais on ne lui a pas parlé du papier. Ouvrir le journal. Je ne supporte plus cette hypocrisie. On veut me faire craquer. Je suis dégoûté.